Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que la journée se passe bien pour vous. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Moi, je suis Joseph Fedjo et je suis entrepreneur également. J'ai aidé les femmes à créer une nouvelle source de revenus à travers la création de leur marque. Donc, sur cette chaîne, on parle de marketing digital, on parle de business, on parle de création de marque. Et donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour être alerté à chaque fois que je publie une vidéo. Stay tuned. Aujourd'hui, je vais vous partager deux idées business qui peuvent être vraiment rentables. Si vous voulez venir aux États-Unis, ces deux business, apprenez à faire ça. Je vais vous dire, pour celles qui veulent, qui ont l'intention de venir aux États-Unis, ces deux business, vous pouvez les appliquer, vous pouvez, dès votre arrivée, vous lancer dedans et gagner beaucoup d'argent. Parce que vous savez, ici aux États-Unis, quand vous êtes nouveau, quand vous venez nouvellement, et c'est souvent un peu trop dur. C'est souvent parce que tout change en fait. Le système change et la langue et tout ce qui va avec, ça change. Et donc, la meilleure manière de gagner de l'argent, c'est de faire un travail manuel. C'est faire un travail avec vos mains. Parce que là, vous n'avez pas besoin de travailler ailleurs, hors de votre maison. Vous n'avez pas besoin d'aller peut-être appliquer pour les boulots déjà que vous ne connaissez même pas déjà parler la langue. C'est vrai que même sans parler la langue, vous pouvez bien travailler. Mais ça, c'est les deux business qui vont vraiment vous aider à commencer à gagner l'argent sans trop d'efforts, si je peux dire ça comme ça. Donc, le premier business que je vais vous dire ici, c'est le business des tresses. Oui, le business des tresses, c'est ce que nous appelons communément Rasta en Afrique. Oui, ça c'est un business pas possible aux États-Unis. Donc, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, généralement, on conseille aux gens qui veulent venir, aux gens qui ont l'intention, entre guillemets, de venir ici, on leur conseille de commencer à apprendre à tresser. Parce que, en fait, parfois, moi par exemple, je suis venue ici, je ne connaissais pas à tresser. Donc, c'est sur place que j'ai appris à tresser. Donc, si vous voulez, si vous avez l'intention de venir, c'est mieux de commencer à apprendre les tresses. Même si vous ne connaissez pas à tresser, commencez à apprendre les tresses au pays, là où vous êtes, en Afrique, je ne sais pas où vous êtes, mais ça peut être une source de revenus vraiment très rentable. Donc, commencez à apprendre les Rasta. Communément, on appelle ça Rasta. Ok, donc, parce que quand vous arrivez, c'est quelque chose que. Avec juste une page Facebook ou bien avec juste les cartes de visite, ça c'était avant. Parce que quand j'ai ouvert également mon salon, la première des choses que les gens m'ont conseillé, c'est d'aller imprimer les cartes et partager aux gens. Mais sauf que les cartes là, parfois d'autres vous donnez, vous ne savez pas à qui vous donnez. Peut-être la personne n'est même pas dans votre zone ou bien parfois là, les gens vont prendre les cartes et aller jeter à la poubelle. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, il y a les moyens de communication plus faciles, par exemple avec Facebook. Vous pouvez avoir facilement les gens qui viennent vous se tresser chez vous. À la maison même, il y a les gens qui se tressent, qui font des tresses dans leur propre maison. C'est-à-dire que dans votre maison, vous aménagez un petit coin et puis vous tressez à la maison. Quand moi, je suis arrivée ici, je partais chez une femme tressée à la maison même. Son salon était un peu comme le salon. Le jour qu'il y a les clientes, on pousse les chaises à côté et puis on travaille. Donc, ça vous évite d'abord de payer le loyer. Ça vous évite et ça vous permet de gagner l'argent assez rapidement. Donc, vous pouvez également faire ça. Vous avez juste une page Facebook, par exemple, et vous mettez, il y a les liens, il y a les sites qui vous donnent l'opportunité de payer et mettez ça sur vos pages pour que les gens viennent booker pour vous, que les gens viennent booker les tresses chez vous. Donc, ça, c'est pas dur à faire. Vous avez, par exemple, Bookies que les gens utilisent pour faire les bookings. Vous avez également Starship que les gens utilisent également pour faire les bookings. Donc, avec une page internet ou Instagram ou bien Facebook, vous mettez ces liens et les gens vont venir se coiffer chez vous. Si vous faites le bon travail, bien entendu. Ok, ça c'est la première source de revenus que vous pouvez vraiment mettre en place et gagner votre vie aux États-Unis sans trop vous casser la tête. Si je peux dire ça comme ça. Voilà, le deuxième business que je vais vous conseiller ici, c'est le business du restaurant, la nourriture. Le domaine de la nourriture, de la restauration ici aux États-Unis, c'est autre chose. C'est un marché, mais pas possible. C'est un grand marché, pas possible. Pourquoi? Parce que les gens qui sont aux États-Unis, la plupart du temps, vous savez, aux États-Unis, on travaille vraiment dur. Donc, parfois, il n'y a pas le temps pour préparer. Que ce soit nous, de la communauté africaine, que ce soit d'autres communautés, beaucoup de gens n'ont pas le temps pour préparer chez eux. Et donc, du coup, le restaurant, ça devient l'option pour beaucoup de gens. Donc,
moi-même, je connais un peu beaucoup de restaurants autour de moi. Même à côté de mon salon, il y a un restaurant africain. Et je vois souvent comment, même les dimanches, les gens viennent, les gens commandent à faire la nourriture en quantité, quoi. Ils viennent porter dans les plateaux. Vous sentez que c'est pour la famille. Ils viennent porter même d'autres mecs qui font la fête, qui veulent faire les petites fêtes à la maison et qui viennent commander carrément la nourriture au restaurant. Parce qu'il n'y a pas de temps pour préparer. Parce qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas le temps. Vous voyez un peu. Donc, ça peut être l'option pour vous de gagner de l'argent quand vous venez aux États-Unis. Dans un premier temps, vous commencez à la maison. Et également, il y a les stratégies très simples pour communiquer, pour avoir les premiers clients. C'est très important. Et donc, vous allez décider, par exemple, de choisir un maire, et commencer par là. Vous n'êtes pas obligé de commencer à peut-être à mettre deux repas, quatre mères, non. Commencez d'abord par une seule chose. Que les gens vous reconnaissent par cette chose-là. Pendant que je faisais l'apprentissage du salon, je partais dans certains salons des Sénégalais et il y avait parfois les gens qui sont spécialisés dans le tchèp, rien que le tchèp. Donc, et on connaît les jours qu'elles font ça. Donc, quand elles font ça, parfois elles peuvent les livrer pour vous ou bien parfois vous pouvez aller là-bas chercher. Vous voyez un peu. Donc, mais on les connaît avec ces plats-là. Et c'est après ça maintenant que quand elles ont déjà la clientèle, peut-être elles peuvent mixer, mais ou bien peut-être elles peuvent toujours rester dans le même repas, mais et agrandir le nombre de clients. C'est très important. Donc, vous pouvez faire ça. Et pour attirer les clients pour ce genre de marché, c'est très facile même. Vous n'avez pas besoin de fort. Vous avez déjà votre profil WhatsApp. C'est très important. Parce que si vous commencez juste à faire un repas, vous montrez juste simplement les petites vidéos, comment vous êtes en train de faire. Par exemple, vous faites une petite vidéo, vous montrez les ingrédients, que voilà, je vais préparer telle chose et tout. Vous faites la petite vidéo. Après maintenant, les étapes, vous filmez les étapes. À la fin, vous filmez le repas. Et puis enfin, vous faites une petite vidéo, vous montrez et vous dites que commandez ici. Oh my goodness. Les gens vont commander ça comme un petit jeu. Les gens, ça va partir. Je connais les gens qui ont même fait, qui faisaient même les beignets haricots, qui faisaient beaucoup de repas, beaucoup de types de repas. Les gens sont toujours en train d'acheter. Donc, c'est deux business-là. Et surtout que la nourriture ici, les gens aiment manger. Les gens aiment, vous voyez un peu. Et les gens sont contraints. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, n'ont pas de temps pour préparer, pour s'asseoir et préparer. Du coup, il faut chercher l'alternative de commander. Donc, quand vous faites ça, vous mettez juste les petites vidéos là sur votre, rien que votre profil WhatsApp. Je suis même pas en train d'aller loin. Parce que là, pour aller loin même et faire manger tous les, augmenter ta clientèle et peut-être conquérir d'autres nationalités. Il y a aussi d'autres stratégies, mais déjà, rien qu'avec votre profil WhatsApp, rien que les gens autour de vous vont commencer à vous demander que, mais vous faites comment, vous livrez comment, et c'est comme ça que c'est parti. Je connais également une femme ici aux États-Unis qui est dans un autre état, qui fait le restaurant africain, et c'est les Blancs qui mangent, je vous en prie, parce que nos repas sont bien. Les Blancs aiment ça, mais la majorité des gens ici que j'ai connus qui font dans le restaurant, ils font cela pour la communauté africaine. Et quand tu vois comment eux ils présentent les restaurants, leurs repas, en fait, ça donne même, tu comprends que eux-mêmes, ils sont juste, leur cible, c'est juste les Africains, ils veulent même pas aller loin. Et pourtant, le restaurant dont je vous parle à côté de moi, le restaurant nigérien, les Blancs mangent là-bas, je vous en prie. Les Blancs commandent ça et portent ça en quantité. Ça veut dire qu'ils aiment notre nourriture parce que nous, en Afrique, nos repas sont bien. Donc, je conseille aux gens qui veulent se lancer dans ce domaine d'avoir la vision de dire que si je commence aujourd'hui, même si je commence par ma communauté, je vais m'étendre pour que d'autres personnes me connaissent. Oui, je vais m'étendre pour que d'autres personnes me connaissent. Et c'est très facile de faire ça. Donc, si vous voulez venir aux États-Unis, si vous avez l'intention de venir aux États-Unis, voilà les deux business que vous pouvez commencer et voir l'argent rentrer dans votre compte bancaire comme ça facilement. Oui. C'est les business. Je vois les gens autour de moi et moi-même je suis dans l'un des business, les tresses. Depuis, vous voyez, j'ai fait cette vidéo depuis mon salon de coiffure. Et donc, si je vous parle de ça, c'est parce que je suis dedans et je vois. Je suis les gens autour de moi qui font les restaurants, d'autres qui font la coiffure et qui prennent des commandes à la maison. Donc, ça dit que elles peuvent se dire, ok, dimanche, je m'occupe des repas. Elles préparent, les gens viennent porter. Je vous assure, c'est fantastique. Ok, donc. Voilà les deux pilules que j'avais à partager avec vous. Donc, si vous avez aimé, mettez un commentaire, mettez un like pour m'encourager également. Et on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes abonnés, bien entendu. Donc, on se dit à très bientôt dans la nouvelle vidéo. Bye bye.